crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Valérie Bacot. La vie de Valérie Bacot n'aura été qu'un long cauchemar. Pendant plus de 15 ans, elle est le jouet sexuel de son beau-père, Daniel Paulette. Alors quand celui-ci, qui est devenu son mari et le père de ses 4 enfants, disparaît du jour au lendemain, c'est plutôt le soulagement. Mais quelques mois plus tard, Valérie Bacot est accusée du meurtre de son bourreau. Elle l'aurait tué, puis aurait fait disparaître son corps. La jeune femme affirme, elle, avoir agi en état de légitime défense. Mais la cour d'assises sera-t-elle de cet avis? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. L'Aclette, en Saône-et-Loire, le 13 mars 2016. Il est 21h, une voiture est arrêtée le long d'un bois. Soudain, une détonation. À 23h la même nuit, un groupe de 4 personnes achève d'ensevelir un corps en pleine forêt, dans un silence de mort. Nous sommes à 12 km de Mâcon. C'est ici que démarre l'affaire Valérie Bacot. Une région que connaît bien Jim Gassman. Il est journaliste et il a suivi cette affaire depuis le tout début pour le journal de Saône-et-Loire. L'Aclette, c'est un gros bourg, on va dire. Jim Gassman, journaliste au journal de Saône-et-Loire. D'environ 3000 habitants. Où la plupart des gens se connaissent. C'est une bourgade où il ne se passe jamais grand-chose. Dominique Mani, premier avocat de Valérie Bacot. C'est vraiment la ville de province, calme. Un endroit où vraiment tout le monde est bien. Dans ce village très tranquille, une famille s'est installée un peu à l'écart. Un couple et 4 enfants. Ce sont les Paulette, une famille très discrète, mais qui intrigue le voisinage. Il y a d'abord la mère, que l'on aperçoit parfois aux abords de l'école, mais qui ne parle à personne. Sandrine, mère d'un élève, se souvient très bien de ses premières impressions. Une dame très effacée, qui paraissait d'une grande timidité. Elle avait une façon de se positionner, elle était toujours à l'écart. Sandrine Dubouis, présidente du comité de soutien à Valérie Bacot. Elle avait toujours les bras croisés. On va dire qu'elle était un petit peu transparente. Très protectrice avec ses enfants, ça c'était quelque chose d'assez récurrent, elle les protégeait beaucoup. Valérie a l'apparence d'une jeune femme. Nathalie Tomasini, avocat de la Défense. Elle a cette naïveté un peu enfantine d'adolescente. Et pour compléter cette famille, Daniel, le père. Un chauffeur routier très souvent absent. On ne le voit que rarement et on ne sait pas grand-chose à son sujet. Elle vit avec cet homme bien plus âgé qu'elle, installé complètement dans une vie de mère au foyer, un peu coupée du monde extérieur. Les habitants de l'Aclette n'ont pas fini de s'interroger, car certains comportements étonnent les parents d'élèves de l'école du village. Valérie, on l'a repérée parce que c'était pas quelqu'un qu'on voyait se promener dans la commune. Les enfants ne jouaient pas non plus dans la commune. Elle ne travaillait pas. Donc elle était présente à tous les horaires d'école, c'est-à-dire le matin à 8h30, 9h, à midi, à 13h30 et à 16h30. Tous les jours et par tous les temps. Dans les réunions entre villageois, la tribu Paulette reste toujours et encore à l'écart. Même à la traditionnelle fête de l'école. Ils arrivaient un petit peu en randonnion, le papa, la maman et les 4 enfants derrière.
Et intérieurement, je me faisais la réflexion en disant, tiens, ces enfants sont bien élevés, ils sont derrière leurs parents, bien sages, bien obéissants. Ensuite, il y avait un petit apéritif offert par la municipalité. Donc, on ne les voyait pas. Ils s'éclipsaient chez eux. Qui sont vraiment les Paulette ? Aurait-il quelque chose à cacher pour rester aussi mystérieux ? Si cette famille intrigue, elle n'a jamais vraiment fait parler d'elle dans le village. Du moins, jusqu'à la fin du mois d'avril 2016. Ce matin-là, la sœur de Daniel contacte la gendarmerie de La Clète. Il y a l'une de ses sœurs qui va tout de même aller à la gendarmerie et dire « Voilà, ça fait quand même un certain temps que personne n'a de nouvelles de mon frère. Est-ce que vous pourriez essayer de savoir ce qu'il est devenu, s'il lui était arrivé quelque chose ?» Pour les gendarmes, cette disparition n'est pas inquiétante. Daniel Paulette est majeur. Alors, ils vont juste faire des vérifications d'usage avec sa femme, Valérie. Les gendarmes vont quand même contacter Valérie, l'épouse. Elle va rester évasive sur ce départ en disant, quoi qu'il en soit, que c'est un départ volontaire, qu'il a décidé de quitter le foyer, que c'est en quelque sorte un abandon de famille. Face aux gendarmes, Valérie déclare qu'elle ne s'entendait plus avec son mari et que par ailleurs, l'administration lui a conseillé de signaler cette disparition comme un abandon de famille. Elle va finir par se rendre à la gendarmerie et là, elle va aller déclarer officiellement cette disparition. Valérie va préciser que son mari a quitté le domicile depuis un long moment. Le premier avocat à avoir eu connaissance de cette affaire est maître Dominique Mani, du barreau de Mâcon. Il se souvient de ce qui apparaît alors comme une banale séparation. Valérie Bacot commence par raconter que mon mari s'est disputé avec moi il y a plus d'un an et demi. Un père de 60 ans qui plaque sa famille pour refaire sa vie. Pour les gendarmes, c'est une dispute conjugale comme tant d'autres. Il a cassé son téléphone devant moi. Il m'a laissé sur le bord d'une route. Je n'ai plus de nouvelles. Elle dit qu'il est parti. Janine Bonadjunta, avocate de la Défense. Du jour au lendemain, énervée. Valérie, elle va parler du Canada comme une destination possible. Elle va dire que son mari avait émis plusieurs fois l'envie de rejoindre ce pays. Mais une chose est sûre, dans le village de La Clète, depuis que Daniel Paulette est parti, Valérie et sa famille semblent aller beaucoup mieux. Maître Bonagiunta, avocate pénaliste au barreau de Paris, raconte combien cette période fut une parenthèse de calme pour Valérie et ses enfants. Elle aura tout de suite un travail et elle trouve aussi une maison. Elle achète un chien à chacun des enfants, parce qu'elle leur avait toujours promis. Tout va donc très bien pour la petite famille, qui semble profiter de cette nouvelle vie sans Daniel. Mais quelques mois plus tard, un incroyable rebondissement va ébranler la tranquillité de ce village sans histoire. Le 28 mai 2017, il y a un événement qui va se produire et qui va en quelque sorte tout déclencher dans cette affaire. On est au domicile d'une dame. Elle appelle les services de gendarmerie parce qu'elle a une dispute assez violente qui lui fait peur avec son fils. Pour les gendarmes, c'est la routine. Une altercation qui dégénère entre une mère et son fils, cela arrive. Ils se rendent chez cette femme qui vit avec son fils de 16 ans que nous appellerons Manu. Il y a le peloton de surveillance de la gendarmerie qui intervient à leur domicile. Jim Gassman, journaliste au journal de Saône-et-Loire. Qui constate que la situation est assez tendue entre les deux, entre la mère et le fils. La situation finit par se calmer. Ils sont prêts à repartir. Et c'est là qu'elle va leur faire une révélation assez fracassante. Elle va leur dire qu'un crime a été commis quelques mois auparavant. Et que ce crime dont elle a eu connaissance lui pèse beaucoup trop et qu'aujourd'hui, elle se sent obligée d'en parler. Elle va dire que son propre fils, il lui a expliqué très clairement « Hier soir, j'ai aidé Valérie à enterrer son mari. Elle l'a buté avec une arme à feu. »
Le jeune homme affirme que Valérie Paulette aurait tué son mari Daniel. Ce même Daniel Paulette, dont on est sans nouvelles depuis maintenant 14 mois. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais c'est le début d'une retentissante affaire qui va bouleverser tout le pays. Les hommes de la gendarmerie prennent ces accusations très au sérieux, car après quelques vérifications, ils ne trouvent aucune trace de Daniel Paulette, ni en France, ni à l'étranger. Il s'est tout simplement volatilisé. Une information judiciaire va rapidement être ouverte. Et là, pendant de longs mois, il va y avoir des investigations poussées. Et voici la stratégie des gendarmes. Avant d'entendre Valérie, ils la mettent discrètement sous surveillance. Et surtout, ils enquêtent sur cette petite famille qui intrigue tant de monde. Ils découvrent une famille très soudée, comme un clan autour de leur mère. Au sein de la cellule familiale, il y a les enfants de Valérie, donc ils sont au nombre de 4. 3 garçons de 17, 16 et 10 ans. Et une fille qui, à l'époque des faits, a 15 ans. Cette adolescente, que nous appellerons Corinne, a un petit ami. Et les enquêteurs découvrent avec stupeur que ce petit ami n'est autre que Manu, celui-là même qui accuse Valérie d'avoir tué son mari Daniel. Pendant 4 mois, la surveillance ne se relâche pas autour de Valérie et de sa tribu. Enfin, Daniel reste introuvable. Alors, pour faire avancer l'enquête, une seule solution, entendre Valérie et les siens. Les gendarmes passent à l'action. Le 2 octobre, au matin, ils interpellent Valérie, 3 de ses enfants, le petit ami de sa fille. Donc tout ce petit monde est placé en garde à vue. Et là, ils vont leur demander des explications précises sur ces faits de nature criminelle, puisque à ce moment-là, l'enquête est ouverte pour assassinat. Dès leur arrivée à la gendarmerie, Valérie est séparée de ses enfants. Ils vont être entendus de leur côté. La mère de famille est placée dans une salle d'interrogatoire en attendant l'arrivée d'un avocat commis d'office. C'est Maître Magny qui est appelé pour la représenter. Je me retrouve seul à seul dans une salle avec une jeune femme qui est toute fluette et qui est fragile. On a l'impression d'un petit oisillon qui vient de sortir du nid. Dominique Magny, premier avocat de Valérie Bacot. Et qui ne sait pas du tout ce qu'elle vient faire là et ce qu'on lui veut. Et je me dis, c'est pas possible, on s'est trompé de client, ce n'est pas elle qui en garde à vue pour meurtre. C'est pas possible, il y a erreur sur la personne. Les gendarmes démarrent les interrogatoires et sans attendre, ils abattent leur carte maîtresse. On lui dit, mais madame, quelqu'un vous a dénoncé, on nous a dit que vous auriez tué votre mari. Lors de sa première audition, elle va nier, elle va parler, comme elle l'a fait depuis des mois, d'une disparition volontaire de son époux. Elle va complètement nier tout fait criminel. Mais les gendarmes ne lâchent rien. La version du départ volontaire de Daniel ne les convainc pas. Alors, ils tentent leur chance auprès des enfants. Et après quelques heures d'interrogatoire, c'est le dénouement. Il y a un point de rupture. Les enquêteurs, qui sont très psychologues, se sont bien rendus compte que Valérie Bacot est avant tout une mère qui veut protéger ses enfants. Et ce point de rupture, c'est de dire à Valérie Bacot, « Vos enfants ont avoué. » Vous ne pouvez pas laisser vos enfants mineurs avec le poids, la responsabilité de cette accusation. Là, Valérie Bacot vacille, me regarde, je la regarde, et donc Valérie Bacot fond en larmes et commence à raconter. Entre 2 sanglots, Valérie se libère. Et ce qu'elle confie aux gendarmes les laisse sans voix. Elle va avoir des mots très forts
pour admettre qu'elle a tué son époux et pour immédiatement justifier ses faits criminels. Elle va dire « Oui, je l'ai tué, il m'a prostituée pendant 14 ans. » Elle explique que son mari l'obligeait à se prostituer et qu'un soir de mars 2016, il y a donc 14 mois, elle aurait subi la passe de trop. Aujourd'hui, en liberté, Valérie Bacot a accepté de nous rencontrer pour nous livrer sa version de l'histoire. Pour nous aider à comprendre, elle nous raconte comment tout a commencé le dimanche 13 mars 2016, après des années de calvaire, ce fameux jour où tout a basculé. Ce jour-là, j'en pouvais plus, quoi. Et il m'a dit qu'il y avait un client dangereux pour moi et pour lui. Parce que même lui, il n'était pas rassuré, celui-là. Valérie Bacot. Du coup, on prenait, quand c'était certains clients comme ça, mais surtout celui-là, il prenait ou une grosse barre ou son pistolet. Et quand le client, il rentrait dans la voiture, c'était pas comme d'habitude. Et du coup, je veux pas, et je me laisse pas faire par le client, et le client, il prend de force. Une fois qu'il a fini, il est parti. D'après Valérie, son mari Daniel était fou de rage qu'elle ait osé résister à ce client. Et la situation a dégénéré. Il est monté dans la voiture en hurlant et tout ça, tu vas le payer. Il me dit ça, tu vas me le payer, t'es foutu et tout. Et du coup, moi j'étais toute nue derrière, il s'est mis assis. J'ai pris le pistolet, je l'ai tiré. Je ne savais pas ce que je faisais. Et du coup, je suis descendue de la voiture toute nue. Et du coup, il ne bougeait pas. Quand j'ai ouvert la porte, il est tombé. Elle dira qu'elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Et parce qu'il était encore plus odieux que d'habitude et qu'elle avait vécu quelque chose d'encore plus monstrueux que d'habitude. Janine Bonadjunta, avocate de la Défense. C'est le déclic, rien n'est préparé. En fait, le pistolet était là, et quand elle tire, elle est encore nue. Elle prend la voiture et elle fonce en pleurant. Elle pense qu'à une chose, c'est qu'il la poursuit. Elle se met sur le côté, et à ce moment-là, elle appelle. Et moi, je pensais qu'à une chose, c'est qu'il allait me tuer. Du coup, j'ai sauté dans la voiture et je me suis sauvée. Je sais pas quoi faire. Voilà donc l'explication que Valérie fournit aux policiers. Si elle a tué son mari, c'était pour se protéger de ses coups et de sa violence. Et donc, la version de Valérie Bacot à ce moment-là, c'est de dire, effectivement, c'est un meurtre. Un meurtre, certes, mais selon elle, avec des circonstances atténuantes. Pourtant, juste après avoir tiré, elle ne pense pas à prévenir la police. La première personne qu'elle décide de prévenir, c'est le petit ami de sa fille. Elle passe le prendre, elle va, dit-elle, lui expliquer ce qui s'est passé. Jim Gassman, journaliste au journal de Saône-et-Loire. Et ensuite, ils vont décider d'aller récupérer à leur tour les deux enfants aînés de Valérie. Et tous les quatre, ils vont retourner sur les lieux du crime. Valérie, ses enfants et le compagnon de sa fille décident ce soir-là d'enterrer le corps de Daniel. Toute la famille aurait basculé dans un scénario criminel lors de cette nuit glaciale du 13 mars 2016. La petite troupe aurait entrepris de faire disparaître le corps de Daniel dans un endroit isolé, en pleine forêt. Jean-Claude Crosse est ancien avocat général à la Cour d'assises de Paris.
Tout au long de sa carrière, il a vu passer les dossiers les plus fous en matière criminelle. Mais pour lui, ce qui s'est passé ce soir-là reste totalement hors norme. Imaginez, il faut le faire. Il y a la pelle, les coups de pelle, enterrer le corps. À un moment donné, on dit que les pieds dépassent. C'est terrifiant. Ils sont mineurs. Jean-Claude Cross, ancien procureur à la cour d'assises de Paris. Il y en a même un, je crois, qui casse sa pelle. Ça me fait froid dans le dos. Hein. Là, c'est le côté monstrueux de cette affaire. On a été l'enterrer. Je me souviens que... c'est les gars qui ont creusé, qui l'ont mis dedans. Et quand il fallait remettre la terre, j'y étais aux mains parce que j'avais trop peur qu'ils ressortent. Comme eux, ils avaient trop peur qu'ils sortent et qu'ils nous tuent. À la fin de ces aveux terrifiants, les gendarmes sont perplexes. D'un côté, Valérie aurait tué son mari dans un déchaînement de violence inattendue. Mais d'un autre, elle cache froidement le corps sans le signaler. Que s'est-il passé dans la vie de cette femme pour qu'elle en arrive à de telles extrémités? Les gendarmes veulent comprendre. C'est le début d'un récit incroyable, celui d'une longue vie de souffrance et de perversion. Une relation qui commence 24 ans plus tôt, alors qu'elle n'a que 12 ans. Ses parents sont séparés et la fillette vit avec sa mère. Sa mère l'a toujours critiquée, sa mère l'a toujours considérée comme moins que rien, puisque c'était elle qui faisait le ménage, qui arrondissait les angles, puisque la mère buvait, la mère était dépressive. Une description qui est faite d'une personne un peu volage. Il y avait des histoires, des aventures avec d'autres personnes. Les hommes se succèdent à la maison jusqu'en décembre 1992, quand Daniel Paulette, 36 ans, fait son apparition. Sa première rencontre avec cet homme, en rentrant de l'école, Valérie ne l'oubliera jamais. Un jour, j'entendais du bruit. Et du coup, je me suis inquiétée. Et puis, je suis montée, puis je l'ai trouvé à faire la chose avec lui, quoi. Et du coup, je suis vite repartie dans ma chambre. Du coup, elle est descendue, elle m'a engueulée et tout ça. J'avais fait une connerie, quoi, que j'avais pas à rentrer et tout. Puis, c'est comme ça que c'est venu que je fais connaissance avec lui. Daniel Paulette est donc, à l'origine, le compagnon de la mère de Valérie. C'est son beau-père. Au début, elle avait une relation saine et même une certaine affection avec lui. Et puis les choses ont dérapé. Ça a commencé à... il faut te mettre de la crème, il faut bien te laver, ta mère elle se lave pas comme il faut, donc il faudrait que toi tu fasses comme ça, il faut que je te montre. Voilà, des trucs comme ça. Et quand on est gamin, on a peur. Après, on se laisse pas faire. Et après, il commence à être un peu plus insistant, un peu plus ferme. Après, vous avez peur de son regard. Vous savez pas. Donc, vous vous laissez faire. Et petit à petit, ça a empiré. C'était plus de la crème, c'était plus des choses comme ça. Et là, ça commençait à être des attouchements. Et après, ça a été des viols. J'ai appris une chose, que si on veut que ça passe, il faut, si on veut pas souffrir, il faut se laisser faire pour que ce soit vite fini. Et c'est ce que je faisais, parce que je me suis défendue plusieurs fois. Et il y a une fois sur le tapis du salon, et j'avais des brûlures sur moi. Du coup, j'ai appris qu'il valait mieux pas se défendre et faire ce qu'on me dit. C'est ce que j'ai fait. À 13 ans, Valérie devient la victime de Daniel Paulette. Et son calvaire ne fait que commencer. Elle va être violée d'une manière régulière. Nathalie Tomasini, avocate de la défense. Chaque fois qu'elle rentre de l'école, il y a un rituel, elle prend son goûter et après elle doit monter dans la chambre parce que voilà, elle doit y faire ce qu'elle doit y faire. Ce cauchemar dure jusqu'en 1995. Valérie a 15 ans.
et la situation aurait pu durer des années sans l'intervention de la sœur de son bourreau. C'est une des sœurs de Daniel qui va révéler qu'elle a entendu des bruits étranges, des bruits de coït en pénétrant dans leur domicile, à l'étage. Elle se demande ce que ça a pu être. Qui va observer, lors d'une petite réunion familiale, que Daniel a des gestes très équivoques à l'égard de sa belle-fille. Elle est sur ses genoux, il a quelques attouchements qui lui semblent très louches. Et elle, ça va faire tilt dans sa tête. Quand elle était gamine, elle a été abusée par Daniel. Aujourd'hui, elle a deviné qu'il faisait la même chose avec Valérie. La sœur de Daniel aurait donc elle aussi été abusée par son frère dans son enfance. Pour elle, impossible de rester sans rien faire. Elle alerte aussitôt les autorités qui décident d'envoyer Valérie chez un médecin pour en avoir le cœur net. Un autre médecin que le médecin habituel dira... Janine Bonaggiunta, avocate de la Défense. Devant elle, à sa mère, mais votre fille n'est plus vierge, et depuis longtemps. Et ma mère n'a eu aucune réaction. Quand on est gamine et qu'on ne sait rien de ce que c'est, les relations ou choses comme ça... Valérie Bacot. Je ne savais pas ce qu'il me faisait, en fait. Ça, je ne comprenais pas ce qu'il me faisait. Daniel, lui, va assez rapidement admettre qu'il y a eu des relations avec Valérie, mais il ne va pas parler de viol, évidemment, il va décrire une jeune fille consentante, voire demandeuse. Daniel Paulette se défend d'être un violeur. Mais pour la justice, sa version d'une histoire d'amour avec sa belle-fille de 12 ans ne tient pas. Et il est arrêté. Daniel Paulette est condamné pour cela. Et aussi incroyable que cela puisse être... Dominique Mani, premier avocat de Valérie Bacot. La mère de Valérie Bacot va conduire au parloir, pendant la peine que purge Daniel Paulette, sa fille, pour aller rencontrer son violeur. Avec Daniel derrière les barreaux, Valérie aurait pu retrouver la vie normale d'une adolescente. Au lieu de cela, elle rend visite à son violeur au parloir, comme si rien ne s'était passé. Maître Tomasini, avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes, pensait en avoir vu beaucoup dans ce domaine. Mais pour elle, le comportement de la mère de Valérie reste incompréhensible. La mère de Valérie va aller voir son conjoint, donc violeur de Valérie, le beau-père de Valérie, va aller le voir en détention et elle va amener la petite. Elle va continuer quelque part à avoir ce lien avec son bourreau, son violeur. Ça se passait comme si on venait voir notre père en prison, quoi. Ça se passait normal. Pendant des mois, à chaque visite, l'adolescente de 15 ans assiste au spectacle du couple heureux que forment sa mère et son beau-père violeur. Ils se faisaient des câlins, ils se faisaient des bisous. Et tout cela, on l'imagine aisément, induit une immense confusion mentale dans l'esprit de cette toute jeune fille. Elle a eu des relations sexuelles avec celui qui était son beau-père. Il a été arrêté, incarcéré, condamné pour ces faits. Condamné à 4 ans de prison, Daniel effectue 33 mois avant d'être libéré. Et dès sa sortie, il démontre une nouvelle fois l'étonnante emprise qu'il exerce sur son entourage. Quand Daniel sort de prison, il revient directement s'installer chez... et donc chez Valérie. Et ma mère, elle s'habille très bien et tout ça. Elle fait le ménage impeccable. Et c'était comme une grande fête, quoi. Peu importe à quel prix elle a Daniel. En fait, elle est très amoureuse de lui. Je pense qu'elle est très attirée par Daniel, qui est plus jeune. Et pour elle, l'essentiel, c'est de la voir. Il va regagner naturellement le domicile familial. Et Valérie, elle a 16 ans. Et il va la revioler. «
J'aurais pas pensé qu'il allait se remettre à recommencer à faire les choses sur moi. Et je me suis redéfendue et il était encore plus violent que quand j'étais petite. Donc bah, j'ai fait comme je faisais avant. Si je voulais que ça passe et vite, il fallait que je me laisse faire. Et c'est ce qui s'est passé. Le calvaire de Valérie reprend dans la maison de sa mère. Non seulement cette dernière n'éloigne pas Daniel de sa fille, mais au contraire, elle aurait toléré l'intolérable pour garder son compagnon. À partir du moment où elle l'a, elle dira « fais ce que tu veux, style je veux pas savoir. L'essentiel, c'est que moi, j'y trouve mon compte avec toi. » Et un jour, je les ai surpris à dire, ma mère qui lui disait, du moment qu'elle n'est pas enceinte, c'est pas grave. Et à mes 17 ans, je suis tombée enceinte. La mère de Valérie est folle de rage. J'étais enceinte, j'avais 17 ans, et je ne savais pas quoi faire. C'est que j'avais fait quelque chose de mal, mais quoi ? Je ne savais pas. C'était la seule limite à ne pas franchir pour sa mère. Alors elle met Daniel au pied du mur. Il doit faire un choix. Du coup, il m'a dit, je vais te trouver une maison et puis j'irai avec toi. On a pris n'importe quel appartement. Ah, forcément, entre une gamine de 16 ans et la mère... Nathalie Tomasini, avocat de la Défense. Il a préféré choisir la chair fraîche et il va se positionner, alors que c'est son bourreau et son violeur, comme son sauveur. Elle se retrouve avec son violeur, donc ils vont vivre ensemble. Ils vont avoir très rapidement des enfants. C'est le début d'un incroyable scénario. La toute jeune Valérie est installée dans une maison à quelques kilomètres de chez sa mère. Et elle va donner le jour à 4 enfants avant que Daniel ne décide de l'épouser sans que personne ne le sache. En fait, il a pris possession de son esprit, de son corps, et elle s'est laissée faire. Elle s'est abandonnée, elle était complètement anesthésiée. Souvent, les femmes violées, il y a un phénomène de sidération qui existe. Et là, c'est pareil. Jean-Claude Cross, ancien procureur à la Cour d'assises de Paris. Il y a l'emprise, de la sidération, la peur du lendemain pour elle. Elle ne peut pas partir. Elle accepte tout. Daniel, qui travaille comme chauffeur routier, ne rentre à la maison que rarement. Dès la naissance du petit dernier, son comportement commence à changer. Pour Valérie, qui a maintenant 26 ans, l'ambiance devient très lourde. Valérie, elle connaissait pas grand monde quand elle vivait avec Daniel Pelette, puisqu'elle était complètement coupée de la société. Socialement, elle ne voyait personne, elle voyait pas sa famille également, et puis elle n'avait pas d'amis. Il l'appelle constamment pour savoir ce qu'elle fait, où elle est. Daniel Pelette refusait qu'elle rencontre d'autres personnes. À partir de là, les choses vont se mettre en place de manière quasi inéluctable pour Valérie. Jim Gassman, journaliste au journal de Saône-et-Loire. Elle va s'enfermer dans une sorte de prison conjugale. Valérie découvre un autre Daniel. Elle le savait pervers, elle le découvre tyrannique. Et quand il arrivait, on savait que... qu'il fallait tous se tenir à carreau. Je veux dire, vous savez qu'il fallait pas parler à table. Son truc, quand il y en avait un qui parlait à table ou qui se retournait pour regarder la télé, il prenait le pot de moutarde et il dit « Continue à parler, tu te ramasses le pot de moutarde dans la gueule. » Et lui, il en profitait pour les mettre plus bas que terre tout le temps. Les premières choses qu'il apprenait à faire dire à c'est que j'étais une connasse et une salope. Elle était petite. Daniel montre son vrai visage. L'enquête révèle d'ailleurs que son comportement était le même depuis l'enfance. Les frères et sœurs de Daniel sont vraiment pas tendres avec lui et expliquent qu'il les martyrisait, qu'il faisait régner la terreur au foyer familial même quand il était gamin, qu'il frappait leur père, qui était vulnérable, handicapé.
qu'il les obligeait à nettoyer le sang après avoir frappé des membres de sa famille chez eux. Le sang qui avait giclé sur les murs, enfin voilà, c'est des images assez effroyables. Valérie aurait donc été à la merci d'un tyran qui abusait d'elle depuis des années. Mais désormais, le pervers devient violent. Et là, comment ça ? Les cris, les humiliations, et à vous ramasser déjà voilà, des calottes, des coups. Et du coup, vous pleurez ? Des noms d'oiseaux, salope, conne, bonne à rien, des cris constants, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas en fait, Daniel, soit il était mutique, soit il hurlait, des bris d'objets, vaisselle, n'importe quoi qui lui tombait sous la main. Valérie raconte que pendant des mois, les insultes et les coups pleuvent sur elle, même en présence des enfants. Quand il m'avait déjà tapé ou des choses comme ça, après, j'essayais de tout faire pour être... Pour pas que ça se voie, quoi. Et il me disait toujours, ça va maman, ça va aller. Et je leur disais, t'occupe pas, c'est des trucs de grand, tout va bien. Valérie, qui a été violée et maltraitée pendant des années avant d'avoir 4 enfants de Daniel, sombre dans la souffrance. Depuis la naissance de son dernier fils, elle vit sous emprise, dans une prison sans barreaux. Coupée du reste du monde, Valérie semble totalement dominée par son mari. Le piège se referme encore un peu plus sur la jeune mère de famille. Et le pire reste à venir. Daniel était en toute puissance. Et d'ailleurs, Valérie n'avait aucune liberté. Janine Bonaggiunta, avocate de la Défense. Il choisissait la coupe de ses cheveux, la couleur de ses cheveux. En fait, il lui imposait ses habits. Il lui imposait tout, même la manière de penser. Il ne fallait pas qu'elle dise ça. Donc, en fait, c'est sa petite marionnette. Mais dominer Valérie ne suffit plus à satisfaire les appétits de Daniel Paulette. La jeune femme raconte qu'elle va devoir, en plus, subir ses passe-temps les plus pervers. C'était quelqu'un qui aimait regarder... sur Internet, tout ce qui était pornographie. Et c'est souvent qu'il m'appelait, il me mettait sur ses genoux devant l'ordinateur, il me montrait, il me dit, tu vois, ça, il faudrait que tu le fasses. Tu vois, ça, il faut que tu fasses comme ça. Un jour, tu le feras. Et si Valérie se plie une fois de plus aux exigences de son mari, elle n'imagine pas qu'il s'apprête à repousser encore un peu plus les limites de ses fantasmes. On avait une manipulation par cet homme, Daniel Paulette, à un stade extrême, puisqu'il va prostituer sa propre femme. Au départ, il vous le dit sans trop vous le dire. Et après, il est plus insistant. Et après, vous dites, mais ben non, ça va pas la tête, je vais pas faire ça. Valérie Bacot. Et puis, du coup, ben, on répond une fois, deux fois. Puis après, vous ramassez des coups. Puis du coup, vous vous dites... qu'il vaut mieux le faire que de se faire taper dessus à chaque fois. Parce que vous avez peur. Jusqu'au jour où il m'a carrément emmené dans un... sur une bord de route pour vraiment le faire. Un cap est franchi. Le mari pervers serait devenu le proxénète de la mère de ses enfants. Il organise... l'ouverture de compte sur des réseaux sociaux. Dominique Mani, premier avocat de Valérie Bacot. Au nom de Valérie. Pour que, effectivement, elle se prostitue. Trouver les clients ou choses comme ça, c'est lui qui le faisait sur Internet ou alors sur le bord de la route. Daniel manipule Valérie. Elle devient sa chose en fonction de ses propres envies. Il choisissait des habits, évidemment. Il fallait qu'elle soit nue sous sa robe qui était très courte, avec des cuissardes, enfin. Et c'était lui qui la déguisait, en fait. Daniel
règle tous les détails de ce triste commerce, et même les plus sordides. Valérie Bacot dit, de but en blanc, il me prostitue dans un véhicule dont il a occulté totalement avec du polystyrène les vitres arrière. Il reste en contact avec moi avec une oreillette. Il me dit exactement quel est son propre fantasme. Je dois le réaliser avec le client. Il me donne des ordres par l'oreillette. Et lui, quand il sent que l'acte est bien commencé, s'approche de la voiture et discrètement passe un œil pour regarder la scène. D'habitude, il faut que je dise un signal pour que lui se rapproche de la voiture parce qu'il aime regarder à travers dans un petit coin qu'il avait fait et écouter et me dire ce que je dois faire parce que lui, il regarde en même temps. Donc je fais absolument ce qu'il me dit. À chaque nouveau client, Daniel donne ses ordres et Valérie s'exécute docilement. Ce n'était pas des clients ordinaires, ce sont des clients violents. À tel point que lorsqu'elle rentrait chez elle, elle se lavait pendant des heures pour enlever toute odeur, tout souvenir de contact avec eux. Totalement aux ordres du tyran, Valérie réalise que si Daniel l'entraîne dans ses fantasmes, c'est juste par pure perversion. Je me suis dit si c'est pour l'argent, parce que ça rapportait rien, quoi, mais... C'était pour l'argent, parce que, je veux dire, il y avait un client, il pouvait, c'est lui qui décidait les prix. Mais s'il y avait quelqu'un qui passait et qui avait juste quelques pièces, ça m'est arrivé. Il me dit, vas-y, pour juste une poignée de pièces en centimes. Les clients se multiplient, jour après jour. Seule, sans famille, sans amis à qui se confier, Valérie encaisse et plonge dans un quotidien sans issue auquel elle ne peut que se résigner. Valérie a toujours vécu sous la coupe d'un seul homme. Nathalie Tomasini, avocate de la Défense. Pour elle, l'homme, il faut lui obéir. Et l'homme est à la fois le bourreau, le dominateur et le protecteur. Le pire, c'est que vous croyez tout ce qu'il vous dit. Comme quoi vous êtes une merde, comme quoi vous êtes un moins que rien. Comme quoi c'est à cause de vous qu'il est comme ça. Selon Valérie, Daniel est de plus en plus dur avec elle. Et pour la victime soumise qu'elle est devenue, il n'y a aucune porte de sortie. Déjà, à cette époque, il m'avait déjà menacée avec son pistolet plusieurs fois. Il menace de me tuer et tout ça, et de tuer les enfants. Elle se trouve dans une situation insoutenable. Elle est battue, elle est livrée à la prostitution. C'est une femme qui, si elle dénonce, risque de perdre ses enfants. Cette situation sans issue va durer 14 ans, jusqu'à ce fameux dimanche de mars 2016. Valérie a maintenant 36 ans. Elle souffre en silence, de peur de mettre en danger ses enfants. Même les voisins, qui croisaient parfois la tribu dans le village, n'ont jamais soupçonné sa détresse. Sandrine, sa voisine, s'en veut encore aujourd'hui de n'avoir rien vu. Moi qui me sens en général plutôt de nature altruiste et assez empathique, je me suis dit mais pourquoi t'as rien fait quoi ? Sandrine Dubouis, présidente du comité de soutien à Valérie Bacot. Et là, l'émotion toujours remonte à ce moment-là. J'ai rien fait. Je pouvais pas deviner. Est-ce qu'on doit, chaque fois que quelqu'un nous paraît fragile, penser que derrière cette fragilité se cache un calvaire, une horreur pareille? Le 3 octobre 2017, Valérie est incarcérée dans l'attente de son procès.
La nouvelle de ce drame, qui s'est joué dans le plus grand secret, a bouleversé tout le village. Sandrine décide de contacter Valérie. Et très vite, elle va la rencontrer en prison. Je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue physiquement. Elle était complètement métamorphosée. Ce n'était pas la personne que je connaissais. Déjà, elle avait des cheveux qui avaient poussé. Elle les avait colorés. Elle était légèrement maquillée. Elle était habillée de façon décontractée. Et surtout, elle avait le sourire. Alors là, je me suis dit, mais j'hallucine, quoi. En fait, je lui ai tombé dans les bras et je me suis mise à pleurer. Et c'est elle qui me réconfortait. Puis on marche sur la tête, quoi. C'était violent, quoi. Une telle métamorphose. Et puis après, elle s'est mise à parler, mais... Elle parlait. Et puis moi, j'avais pas beaucoup entendu le son de sa voix avant. Donc vraiment, je me suis dit, mais... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je comprends pas. Et en fait, au fil de nos échanges, j'ai compris que là, effectivement, elle se sentait en sécurité en prison. En fait, sa prison, c'était sa maison. Et quand Sandrine se reproche de ne pas être intervenue pendant toutes ces années, c'est encore Valérie qui la réconforte. Alors Valérie, bien sûr, va essayer de me déculpabiliser. Et là, à ce moment-là, elle m'a dit, de toute manière, je ne t'aurai rien dit, ni à toi, ni à personne. J'étais en danger permanent et c'était me mettre en danger et mettre en danger mes enfants. Et tu n'aurais rien pu faire pour moi. Valérie, qui depuis a été libérée, attend son procès. Mais celui-ci s'annonce controversé, car l'accusation dispose d'éléments qui pourraient dynamiter la thèse de la légitime défense. En effet, Valérie pourrait avoir organisé l'assassinat de son mari simplement pour se libérer de lui. L'affaire Bacco est loin d'être terminée. Dans ce procès, il y a beaucoup d'enjeux. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Parce que tout, depuis le premier jour, tient à la version, aux déclarations de Valérie Bacco. Pour valider son hypothèse, l'accusation s'appuie sur des faits troublants. Les gendarmes ont noté un comportement suspect de la part de Valérie juste avant la mort de Daniel. Elle a essayé de droguer Daniel Paulette. Dominique Mani, premier avocat de Valérie Bacco. Pour le faire mourir d'une intoxication aux médicaments. Elle a essayé de l'empoisonner. Elle avait des plaquettes de somnifères. Elle les a pilées dans la cuisine. J'ai voulu lui donner des comprimés pour avoir du répit, parce que je t'avoue. Valérie Bacco. Et puis du coup, je pensais que ça allait le faire dormir un petit peu pour avoir quelques heures de calme, quoi. Sauf qu'on sert ce café drogué à Daniel Paulette et que Daniel Paulette lui trouve un drôle de goût et tout de suite, il refuse de boire ce café. Est-ce qu'il se doute de quelque chose ou pas? Mais il le donne à Valérie Bacco en disant « Maintenant, tiens-toi, bois ». Et donc, elle dit, elle fait semblant de boire, elle en garde un peu dans sa bouche, qu'elle va recracher après, parce qu'elle sait exactement ce qu'il y a dedans, et lui va se refaire un autre café. L'autre élément qui va intéresser l'accusation lors de ce procès, c'est la présence du revolver dans la voiture au moment du crime. Pour les avocats de Valérie, cette arme s'y trouvait de façon habituelle. Vous imaginez bien que la clientèle pouvait être dangereuse. Nathalie Tomasini, avocat de la Défense. Et donc, ils avaient très fréquemment une arme à bord du véhicule dans lequel Valérie se prostituait. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Janine Bonadjunta, avocate de la Défense. Toujours est-il que l'arme s'est trouvée dans le sac. Comme d'habitude, je dirais. Sauf que, selon ses premières déclarations, au moment de sa garde à vue, Valérie avait raconté une toute autre histoire. Valérie Bacco va dire effectivement, dans l'après-midi, j'ai cherché partout où était cette arme. Je l'ai trouvée dans un placard, c'était sous un tas de linge. Je l'ai prise avec moi,
J'ai vérifié qu'elle était chargée. Au moment où je me suis retrouvé seul dans la voiture en attente du client, j'ai mis cette arme à un endroit où elle était accessible pour moi. Et effectivement, au moment où Daniel est rentré dans la voiture, eh bien, j'ai senti que c'était le moment. Et effectivement, j'ai pris cette arme et pratiquement à bout touchant, j'ai tiré en fermant les yeux. Et il s'est affalé. C'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de préméditation dans cette affaire? Et on passerait quasiment du meurtre à l'assassinat. Un dernier élément pousse l'accusation à invoquer la préméditation. La façon dont elle aurait demandé l'aide du copain de sa fille après le meurtre de Daniel est très équivoque. Après avoir tiré, Valérie va décider de prévenir en premier le petit ami de sa fille. Jim Gassman, journaliste au journal de Saône-et-Loire. Un message indiquant « ça y est, c'est fait ». Et comprends, à ce texto, il n'y a pas une réponse de la part de « qu'est-ce que tu veux dire ? C'est fait, mais tu veux dire quoi ?» etc. Et les enquêteurs disent à Valérie Bacco « mais attendez, comment pouvez-vous dire que c'était sur l'instant et que ce n'était pas prémédité si, tout de suite après l'avoir fait, vous envoyez un message à en lui mettant « c'est fait » et que vous passez tout de suite le chercher dans la foulée ?» Mais pour les avocats de Valérie, ce message ne prouve en rien une préméditation. Il peut être interprété de bien des façons. On peut s'interroger, mais c'est aussi « ça y est, je me suis débarrassée, ça y est, il va arrêter ». Si tous ces éléments vont avoir leur importance dans ce procès, il en est un dernier qui peut aussi tout changer. Selon l'avocat général, Valérie Bacco aurait un mobile. Un événement en rapport avec sa fille qui s'est déroulé 24 heures avant le crime et qui pourrait avoir été le déclencheur du passage à l'acte. Il a obligé les enfants à aller lui dire bonne nuit dans son lit. Et ce soir-là, donc il va comme d'habitude dire au revoir à son père, redescend un peu troublé et Valérie se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Elle lui pose la question et dira « il m'a demandé où j'en étais sexuellement ». Ça fait un déclic chez elle. Quelque part, elle se dit « est-ce qu'il ne va pas aussi demander que se prostitue ?» Et il avait demandé à quand elle était sexuellement. Et du coup, j'avais peur qu'il fasse du mal à puis qu'il la prostitue aussi. Je voulais pas qu'il touche et je savais pas quoi faire. Et là, j'étais perdue, complètement perdue. Elle dit ça. Je lui dis, t'inquiète pas, je vous protégerai, il ne t'arrivera rien. Valérie a reconnu avoir tué Daniel. Les jurés vont donc devoir trancher. Légitime défense, circonstances atténuantes ou crime froidement prémédité. Entre la version défendue par Valérie Bacco, celle de la légitime défense, et celle de l'assassinat prémédité, on n'est pas du tout dans le même registre. Et en fait, il y a des éléments qui pèsent évidemment du côté de Valérie Bacco, mais il y a aussi des éléments qui pèsent de l'autre côté, donc qui pèsent vers la thèse de l'assassinat. J'ai accompli mon devoir, j'ai accompli les choses qui étaient le plus précieux pour moi, c'est mes enfants, et j'ai accompli tout pour qu'ils soient bien et... Je suis heureuse de ce qu'ils sont. Je me bats contre la justice, mais surtout contre lui, encore. J'espère juste que pour une fois dans ma vie, j'arriverai à gagner la bataille. Parce que pour moi, j'ai encore pas gagné, c'est encore lui qui gagne toujours.
21 juin 2021, le procès de Valérie démarre aux assises de Chalon-sur-Saône dans une ambiance électrique. Elle a du mal à respirer. C'est le choc pour vous ? Oui, c'est le choc. La presse relate au quotidien le cours des audiences. Au terme des 5 jours de procès, c'est à l'avocat général de présenter ses réquisitions. De quel côté va-t-il pencher ? Va-t-il retenir le meurtre et les changements de version de Valérie Bacot, ou plutôt les circonstances atténuantes ? Comment aujourd'hui condamner cette femme et surtout la renvoyer en détention ? Lorsque l'avocat général termine son discours, les avocates de Valérie Bacot sont soulagées. La défense a su se faire entendre. L'avocat général avait requis donc 5 ans avec 4 ans de sursis, ce qui veut dire que ce soir, si la Cour suit les réquisitions de l'avocat général, elle ne retournera pas en détention. Non, on ne s'attendait absolument pas aux réquisitions de l'avocat général. Des réquisitions qui sont justes, qui sont... Il a compris la problématique des violences intrafamiliales. Il a compris ce qu'avait enduré Valérie. Il a compris beaucoup de choses. Et ce n'était pas gagné dès les premiers jours. L'heure de vérité approche. Mais pour Valérie, la pression est trop forte. Soudain, dans la salle d'audience, elle perd connaissance. Madame Bacot, bah, très bien. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait pas d'image prise de quelqu'un qui est en situation difficile. Alors que l'accusée est prise en charge par les services d'urgence, les jurés se retirent pour délibérer. 3 heures plus tard, la sentence tombe. Ses avocates ont été entendues. Valérie est condamnée à 4 ans de prison, dont 1 an ferme. Elle est libre de rentrer chez elle, retrouver ses enfants. Bravo, madame, bravo! Je suis contente pour elle. Courage! C'est la première fois, à ma connaissance, Dominique Mani, premier avocat de Valérie Bacot, que les pronostics de la défense sont à ce point déjoués où on va au-delà pratiquement des espérances de la défense. C'est quelque chose, ce procès restera comme quelque chose hors du temps et totalement hors norme. C'est le verdict qu'attendait Valérie Bacot pour pouvoir enfin se reconstruire, entourée des siens. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.